mesdemoiselles et vous, messieurs. Pour votre oui, je vais me décrire. Laissez-moi faire pour votre plaisir. Je suis ici pour vous divertir. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Je parle aux êtres féeriques pour vous créer un instant unique. Vous apprenez toutes mes techniques et vous vivrez des moments magiques. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Si vous souhaitez de profonds changements, venez à moi, écoutez mes serments. J'use de mes charmes et de mes talents pour vous offrir une femme et des amants. Je m'appelle Alnarlin Sorceleur. Après mon passage, j'envoûte les cœurs. Vous, mesdames, recevez ces fleurs données par ces messieurs pour l'âme sœur. Les chers gens, oubliez votre dette et libérons ensemble la bête. Venez avec moi chanter à tue-tête, boire des bières et faire la fête. Vous êtes... Vous faites partie. Que je sers, bien sûr, de mon mieux. Ah, avec vos amis, vous êtes tout le monde est attablé, là. Bonjour, monsieur. Alors, quel est votre nom? Nous n'avons pas été présentés encore. Par contre, je demanderai à Jordia, excusez-moi, est-ce que vous pouvez apporter un bol de lait dans ma chambre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je vous sers d'abord et puis j'irai m'occuper de votre animal là-bas. C'est quoi comme animal? Un petit chaton. Oh, oui. Vous avez un chat. Comme c'est mignon. Oui. Et oui. Et comment s'appelle-t-il des fois que je sois amené à lui donner lait pour qu'il se reconnaisse? Appelez-le ma chatte. C'est original. Mais bizarrement, ça ne m'étonne pas de vous. Ma foi. Athalys, elle fait un grand sourire. Elle est tellement naïve, elle a pas compris. Elle sourira aussi. Enfin, Alnar sourira quand Georgia lui dira. Du coup, il va vous servir. Il va vous regarder, vous les deux filles. Un petit peu... en regardant un petit peu du coin Alnar. Pour essayer de vous dire, faites-moi un petit jet de perspicacité quand même. Pour savoir s'il y en a, si les deux comprennent ou pas. Ah non. Elle est trop même... occupée à essayer de trouver son tronc à offrande pour rajouter une pièce d'or dedans. Alors, vous le trouvez assez maladroit, vous comprenez pas ce qu'il fait. Fais-moi un test, Alnar. De perspicacité? Ouais. Personne ne comprend ce qui se passe. Lui comprend. Ah. Toi, tu comprends qu'il essaye d'avertir les filles qu'il y a un potentiel danger masculin. Est-ce que tu fais quelque chose, Anna, ou pas? Ne vous inquiétez pas, Georgia. Je m'occupe d'elle. Oui, c'est bien ce qui me fait peur. Mais ne vous approchez pas de ma fille. Votre fille... je l'ai rencontré, moi? Non, tu l'as pas rencontré encore. Tu l'as vu de loin, mais tu l'as pas rencontré. D'accord, ok. Souhaite-t-elle embrasser une carrière particulière? Oh, oui! Oh, alors ça, voyez-moi, je pense que de devenir une grande marchande,
C'est clair que je pense qu'elle reprendra l'auberge un jour, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est le commerce qui l'intéresse avant tout. Vous savez, tout bon aubergiste est avant tout un bon commerçant. Donc, apprendre les bases du commerce va lui permettre de reprendre aisément votre auberge. Oui, oui. Enfin, après, elle a le temps. Hein. Nous sommes pas encore morts. Hein. Et c'est la première route. Elle apprendra bien des choses et reviendra avec un certain bailleur. Là, on est tous les cinq à la même table. Enfin, on est tous en train de discuter ensemble, ouais. J'ai pas et du coup, quand il voit ça, il vous regarde un petit peu tous les cinq. Mais vous êtes cinq. Vous êtes en train de parler de voyage. Dites-moi, oui. Vous auriez pas un point commun tous ensemble? Moi, je regarde les autres et je dis non, je ne crois pas, à part si vous attendiez à retrouver quelqu'un ici. Oh, moi, on m'a parlé de cinq futurs grands responsables de l'Empire qui devraient passer par ici. Vous n'êtes pas... Je regarde bizarrement, je sens un petit œil à Thalys, en mode... On parle de quoi, là? C'est ça. À Thalys, elle te rend ton coup d'œil en disant non, des grands responsables, ça peut pas être nous. Alors, a priori, moi, j'en attends un, mais ce n'est pas moi. Et du coup, vous l'entendez crier « Katina, Katina !» Et du coup, elle répond pas parce qu'elle est loin. Ah, elle est pas là. Ah, c'est incroyable, ça. Quand il y a des choses de bien, elle est pas là. Ah, vous êtes... Vous avez vos mentors, c'est ça? Excusez-moi, mon brave. Oui. Est-ce que, par hasard, vous connaîtriez quelqu'un qui s'appelle Elpire? Bah, bien sûr, c'est ma fille. Ah, comme c'est intéressant. Et est-ce qu'elle connaît vous ou elle? Est-ce que je pourrais lui parler, s'il vous plaît? Oui, oui, enfin, prenez du temps ensemble, hein. Je crois que vous êtes dans un moment important de votre vie, hein, donc... Continuez à parler ensemble, vous aurez le temps de voir Elpire dans la soirée ou demain matin. Vous me l'enverrez? Oui, oui, oui. Et du coup, discutez ensemble, faites connaissance. Je crois que vos mentors ont demandé à ce qu'on vous laisse faire connaissance ensemble. Je regarde Alna. Oui. Pardon, vas-y, Alna. Alors, il va vous dire, ne partez pas ce soir, hein. Et demain matin, attendez un petit peu parce que j'ai quelque chose à vous demander de la part de vos mentors, si vous le voulez bien. Alors là, du coup, pour le coup, elle te jette un regard très appuyeux, Ilana. À Thalys. A priori, nous, on a pris une chambre pour la nuit, donc on va pas partir dans la soirée. Ilana, elle va récupérer le regard à Thalys, lui en jeter un autre, et en même temps, elle aura attrapé le haut son pied, qui est toujours à ses pieds. Elle est perturbée, mais elle fait un signe de tête comme quoi elle reste. Il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, Thalys, elle va se tourner vers les garçons et elle va dire, mais pourquoi parle-t-il de nos mentors? Vous êtes parrainé par quelqu'un? A priori, moi, je viens rejoindre la personne que je considère telle qu'elle, enfin, en tant que telle, hein, en tant que mentor, mais... Qu'est-ce qui se passe avec la fille de... C'est la mascotte locale? C'est une célébrité que je ne connaissais pas ou... La jeune Alpire, c'est cela? J'en ai entendu parler de la Anna, part de... Je regarde Thalys. J'en ai entendu parler... Mon mentor m'a recommandé de faire sa connaissance. Justement à l'occasion de mon passage ici. Mais il m'a aussi dit que je rencontrerais de futurs compagnons d'aventure. Donc je suppose que vous êtes ceux-là. Oui, il semblerait que mon mentor également m'a également parlé du fait de retrouver des compagnons ici également. C'est ça, enfin, Ankh, je le connais, mais... Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on m'a dit qu'Alnar me cherchait. Emerion, enfin, moi je suis venu là sur les conseils de mon mentor, et Emerion nous a dit qu'on allait rencontrer une certaine Claire et une certaine femme en armure, donc a priori vous deux. En moi je ne connais pas monsieur,
en montrant Hank. En effet. Donc je m'appelle Ragnar. Je sais pas si vous avez. Je connais aucun des trois autres. Alors attendez-moi, il faut que je note les noms du coup. Athalys, elle va écouter très attentivement parce qu'elle est comme Kyriel, elle a aucune mémoire des noms. Donc elle va essayer d'imprimer au alors, fur et à coup, mesure. Vous voyez Athalys qui est en train d'essayer avec elle son doigt. Elle plisse les yeux là comme ça. De noter les noms sur la table pour essayer de les mémoriser dans sa tête. Un petit rituel un peu, c'est spécial, c'est kabbalistique. Pour ma part, je me prénomme Erin. Erin, enchantée. Athalys le sait déjà avant de m'appeler Tana. Et je n'ai pas eu une consigne particulière, mais ce n'est pas étonnant de la part de mon mentor. Donc, pour le moment, je suis Athalys. Alors Athalys, elle va te mettre la main proche de toi comme pour te toucher, mais elle te touche pas, et puis elle te dit « Mais voyons, il se doutait que Liliandre nous guiderait toutes les deux. Ne sois pas aussi dure avec lui. » Et je vais garder le regard braqué sur la main et l'espace entre vos deux corps. Je vais rien dire. Je te laisse la parole au-dessus. Mmh. Et du coup, messieurs, dames, vous prendrez bien un petit peu de viande et des légumes, c'est prêt. Ah oui, s'il vous plaît, volontiers, merci. Ah bah oui. Si c'est prêt, on va pas laisser refroidir, évidemment. Et du coup... Excusez-moi, mon brave, est-ce qu'on vous doit quelque chose? Oui, vous inquiétez pas, on verra ça demain. Parce que je vis dans la pauvreté, dit-elle avec son tronc qui teinte de toutes les pièces qu'on lui a mis dedans. Ouais. Pauvreté qui se fait entretenir par son ordre, oui. Ne vous inquiétez pas, vos mentors sont passés par ici. Ils nous ont dit, si vous voyez 5 aventuriers un petit peu en peine, mettez-les sur notre note et on payera leurs frais, donc... Je vous dirai ça demain, mais si vous avez pas ce qu'il faut, je saurai à qui demander. Effectivement, aventurier en peine, cela se rapproche peut-être un peu plus de l'opinion que nos mentors peuvent avoir de nous, n'est-ce pas, Diana? Dit Athalys en tentant un trait d'humour. Et mal perçu, je t'en doute. Sourire un peu crispé. Exactement. Et te fait un sourire désolé comme ça. Attiré par l'odeur alléchée, vous voyez Miork qui rentre dans la taverne et qui, vous voyant, va vite baisser la tête, s'installer sur des tonneaux dans un coin. Je veux dire, moi aussi j'ai faim. Amenez-moi un plat, s'il vous plaît. Bonjour et merci. Il s'adresse à nous ou il s'adresse à l'auberge? Il s'adresse à Georgias. Okay. Et moi, je vais faire la réflexion à droite. Hein. Il va te regarder faire. Ouais, c'est ça. S'il vous plaît et merci. Et je le regarde un peu intense, enfin, avec un regard un peu dur, et puis je retourne à ma soupe. Par contre, je ne vois pas bouger. Du coup, c'est ce capti, c'est ça? Non, c'est un demi-orc. Un autre de... Oui, parce que Scapti est un demi-ogre, c'est ça. Voilà. J'ai demandé la précision tout à l'heure. Et là, c'est un demi-orc. Voilà, c'est... je l'ai peut-être pas assez articulé. C'est vrai que demi-ogre et demi-orc. Ok. Il a un signe distinctif sur lui d'appartenance, je sais pas, à... Il a une faction. Vous le voyez, il est un petit peu encapuchonné, toi, Hank, vois une certaine envie d'être un petit peu, donner un petit style que tu connais bien. Est-ce qu'il a l'air d'avoir voyagé longtemps, enfin d'arriver de la route? Alors vous le voyez qu'il est entièrement trempé, c'est pas pour autant qu'il se découvre. Qu'il a voyagé, oui, il a un sac avec lui. Il est pas du village, quoi. Vous voyez des pièges dépassés de son sac, donc certainement un chasseur.
Bon, Thalys va essayer de continuer à briser la glace à sa table, en fait. Et tout à sa naïveté bienveillante. Et donc, elle va dire, alors comme ça, vos protecteurs, nos protecteurs doivent se connaître. Je suis. Oui. Attendez, Thalys. Georgia vous interrompt. Monsieur le demi-orc, maintenant que vous avez votre assiette, que vous voudriez bien aller ailleurs, s'il vous plaît. Alors là, Thalys, elle jette un regard hyper perplexe à Georgia. Et Anaxos aussi, enfin le demi-orc aussi. Pourquoi je dérange? Non, mais comprenez bien. Je vous demande de partir, s'il vous plaît, pour ce soir. La prochaine fois, vous pourrez rester, mais ce soir, j'aimerais bien que vous laissiez ces jeunes gens tranquilles pour parler. Ouais, j'ai compris, des affaires privées, comme d'habitude. Ok, très bien, je m'en vais. Alors, avant qu'ils partent, je jette un regard aux autres. Et je demande si quelqu'un... Enfin, je demande à voix basse, est-ce que quelqu'un connaît cette personne et... Est-ce que vous pensez que... On doit se méfier pour que Georgia s'interpose de cette façon. Nous avons eu le même vécu avec Emerion que nous sommes arrêtés à sa taverne. Il doit y avoir une certaine confidentialité dans ce qui va nous être révélé, je ne sais pas, mais effectivement, on avait en quelque sorte privatisé le lieu avec Emerion. Hermarion a chassé de la même façon. Il n'a pas chassé, il a littéralement bloqué l'entrée. Ok. Le pauvre homme, j'espère qu'il sera pas trop fâché, qu'il trouvera facilement un autre endroit où se reposer. Oh, c'est un bon à rien, il revient souvent bredouille, ne vous inquiétez pas. Il a ce qu'il mérite. Il est de la région? Oui, c'est un chasseur du coin qui se donne un petit style. Mais c'est pas non plus quelqu'un de très très important en ce moment. Vous savez, le fait d'échouer n'est pas signe d'être un bon à rien. C'est la voie de la réussite. On ne peut pas réussir si on n'échoue pas. Moi, juste à ce moment-là, je lève mon verre et je lui demande si elle peut me resservir du jus de pomme. Ah, oh, vous avez apprécié ce bon vieux jus de pomme. Attendez, j'arrive. Merci. Et il te refaire un verre et il te laisse du coup un pichet entier devant pour te servir quand tu voudras. Impeccable. Et voyant que certains d'entre vous ont déjà fini leur shop, il vous re-remplit les shops. Merci, cher. Et le verre d'eau d'Athalie, du coup. Juste pour être sûr de comprendre, donc, a priori, Alnar et moi, donc c'est nos mentors respectifs qui nous ont dit de venir ici. Mm-hmm. Thalys, Ilana, c'est les nôtres aussi. Un certain Liliandre qui vous a dit de venir ici. Une certaine, c'est ma mentor, mais Thalys, je crois, a croisé ma route, ce qui m'a fait très plaisir, mais elle a été envoyée elle-même par quelqu'un d'autre. Ilana, oui, d'accord. Et pour Rank, oui. C'est Alors là, tout le monde se retourne vers Rank, du coup. Enfin, moi, en tout cas. Je crois que c'est dit que... Moi, j'étais en train de boire. Donc, là, je les regarde tous. Je pose le verre. Je fais, moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu une lettre où on me disait qu'Alnar me cherchait, en le pointant du doigt. Qui devait passer ici, donc je suis venu voir ce qu'il me voulait. Vous inquiétez pas, Ankh, c'est Noé qui vous a fait venir ici. En effet. Vous connaissez Noé? Non. Non, mais j'ai dit ça à Georgia, je suppose que c'est Georgia qui... Donc, d'un air étonné, Alnar se retourne d'un coup. Vous connaissez Noé? Ouais, bien sûr, je le connais, bien sûr. Il s'agit de ton mentor, Alnar? Effectivement. C'est lui qui m'a appris mon métier et qui m'a éduqué. C'est marrant parce que je vous voyais pas du tout de la même... Enfin, Alnar, entre... Je suis à moitié dans mon verre.
Disons que... Tu vois que je dis ça vraiment, sans jugement, sans rien, mais vraiment... Je regarde Erin, et je lui fais... Non, j'ai rien en commun avec cette énergumène. Je t'en prie, Ankt. On a peut-être rien en commun, mais on a un passif, quand même. Ouais, on a peut-être travaillé un peu ensemble. Disons que nous étions des... Voilà. Donc, attention. Rien en commun, si ce n'est le mentor qui vous dit à tous les deux de venir là. Oui, d'après ce que j'ai compris de Noé, Ankt est une personne avec de grandes qualités... Et qui semble-t-il a beaucoup à faire avec vous. Il a certes pas eu le même soutien auparavant, mais vous inquiétez pas. Vos mentors ont l'air de croire en lui en tout cas. Ah non, mais attends, que je sois clair, il y a aucun doute là-dessus. Hein. C'est juste que leurs styles sont complètement différents. C'est tout ce que je voulais souligner. Ah ça. Tu sais, très chère Irine. Nous sommes très différents, mais nos capacités sont également complémentaires. Oui. Un point pour toi. Et on ne peut pas se fier aux apparences. Georgia ajoutera, disons que, au niveau du style, c'est sûr que physiquement, il y a une petite différence. Et au niveau du comportement aussi. Mais bon, ça... Je ne rentrerai pas là-dedans, mais effectivement. Je la regarde. Je vous laisse tranquille, je vais aller voir ma femme, hein. D'accord? Ouais. Oui, oui.